emmène avec moi. J'avais envie de faire un petit vlog en fait, parce que le site Beauté Privée m'a invité au salon Makeup in Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un salon en fait pour les professionnels, pour rencontrer plein de styles de prestataires, autant pour les produits de beauté, les flacons, les trucs comme ça, les ingrédients, enfin je sais pas trop en fait, parce que je suis pas allée sur le site et moi j'y suis jamais allée. Donc je sais pas trop ce qu'ils font, il y a des conférences, donc là j'ai rendez-vous, je crois que dès ce matin on va voir une conférence. Et puis je vais vous emmener avec moi, on va voir un peu de tout, voilà, donc ça va être cool. Et je pense que je suis arrivée, donc là je suis vraiment à l'entrée. En fait les visiteurs ils peuvent arriver qu'à partir de 10h. Et il n'est pas encore 10h, j'attends l'équipe de Beauté Privée. Et voilà quoi, ce qu'on voit. Ouais, on voit un peu. Voilà, c'est ça l'événement. Makeup in Paris. Donc, ça y est, j'ai retrouvé Marlène et Manuela. Les voici de chez Beauté Privée. Bonjour. Je vais les laisser se présenter et puis... Bonjour. Je suis donc Emanuela. Je suis la responsable internationale pour les achats et le sourcing, notamment de nouvelles marques, de nouveaux fournisseurs qui rentrent donc chez Beauté Privée. Moi je suis Marlène, je travaille essentiellement avec les partenaires, la coordination et la planification des ventes tout au long de l'année. Voilà. Bon écoutez, je vous emmène, c'est parti, c'est ouvert maintenant. Les abysses, on a travaillé sur un fard à paupières bleu nuit de différentes couleurs, si vous voulez le voir. Alors ça les filles, c'est un parfum en matière gélifiée, solide mais gélifiée. C'est trop rigolo. Une nouvelle matière, nouvelle texture de parfum. Ah, c'est des fournisseurs de pigments et ils montraient que maintenant c'est beaucoup plus à la mode, c'est très à la mode de mettre des pigments dans les gels douche, les shampoings. Donc il y a des différentes concentrations de pigments qu'ils mettent dedans. Regardez les filles, les pots de je sais pas combien de millilitres de pigments. C'est vrai que des salons comme ça, c'est assez sympa de savoir un peu qu'est-ce qui va sortir, quelles vont être les couleurs. C'est cool. Ouais. Ça, c'est un stand sur les éponges. Vous avez plein d'éponges. Genre des accessoires où vous avez éponge style Beauty Blender et de l'autre côté, vous avez pinceau. Regardez, c'est trop mignon. Il y en a même avec plein de couleurs différentes. Et là, il y a des toutes rondes. C'est cool. Voilà, donc c'est des fournisseurs, hein. On peut passer commande et tout. Vous avez vu, c'est assez sympa, donc ça nous permet de voir un peu comment... Enfin, par où passe toute cette conception de produits. Et donc on voit tous les fournisseurs, autant ceux qui travaillent la matière première, donc les ingrédients, en passant par le packaging, par voilà, le conditionnement du produit. Plein de choses, c'est super cool. On a quoi ? Une danse. C'est notre nouveauté. Voilà, parce que j'ai vu que vous êtes la société la plus créative. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous faisons beaucoup de vêtements en innovation et nous avons fait le lancement des PBB, petites boîtes à beauté, qui se trouvent sur l'arbre des innovations à Londres. Ah, d'accord. Qui est le premier compact case réalisé en Italie. D'accord. Et vous pouvez faire la personnalisation de l'intérieur comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, nous faisons le lancement de les make-up books, c'est l'évolution. Parce que nous avons fait la combinaison de deux matériaux. Ah oui, c'est un peu mousse. Une special mousse et les papiers. D'accord. Et c'est très innovant parce que vous pouvez faire toutes les personnalisations à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Pour créer une palette très grande. Alors ça, c'est un stand trop innovant en fait. Et c'est des éponges. La poudre est déjà à l'intérieur et vous l'appliquez directement avec l'éponge. C'est trop amusant. Génial.
Et là, par exemple, c'est une poudre où il y a du fond de teint à l'intérieur. Et la durée, c'est à peu près la même durée suivant la taille de l'éponge. C'est trop bien. Elles sont hyper design en plus. Vous voyez ? Vous voyez, il y a des petits trous et ça permet d'appliquer la poudre et le fond de teint. Trop cool. Les filles, je viens de tomber sur un produit, je suis in love. Je vous montre. Ah, c'est trop joli. C'est un miroir. Alors là c'est HCT Group et en fait ils font tout ce qui est packaging, formulation et donc comme vous pouvez le voir c'est du lourd hein, parce qu'ils ont fait la palette Naked 1, ils travaillent avec Urban Decay, Too Faced, ça c'est une nouveauté de chez Too Faced en ce moment, ils travaillent avec Lorac. Je vous mets un peu des stylos pour enfants. Oui, voilà. Ouais, on change les mines. On vient pousser les mines. Oh, les gommes. Voilà, les gommes étaient petites. Donc ça, c'est là, ils l'ont décliné. Sephora vous le décliner sous forme de baume. Mais nous, on le présente aussi sous forme de tuto. C'est-à-dire qu'on met des... Là, on peut rajouter des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, d'accord. Hein, et on dit, bah, pour le 1, ça sera la base. Le 2, on va rajouter un eyeshadow. Et on peut finir avec un eyeliner pour avoir un maquillage parfait. Okay, c'est sympa. Ça c'est voilà, c'est un produit qui est assez marrant. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer un petit peu le salon. J'espère que ça vous aura plu. Il y a pas mal de petites choses, des petites nouveautés qui vont arriver, donc c'est cool, c'est assez intéressant. Moi entre autres j'ai vu des conférences, donc ça c'était sympa aussi. Et puis voilà quoi. Ça t'a plu toi? Oui, c'était super sympa. On a vu pas mal de nouveautés et de nouveaux concepts qui vont arriver sur le marché français. Ouais, des trucs plutôt rigolos, enfin bon, je vous montrerai, vous avez dû le voir tout au long de la vidéo, mais c'était assez cool. Coucou, j'espère que le tour ensemble vous a autant plu qu'à nous. Rendez-vous bientôt pour un prochain. Et voilà, vraiment ravie d'être au courant, en avant-première, des tendances à venir, des partenariats exclusifs avec certaines marques et tout ce qui se passe de intéressant et stratégique dans ce merveilleux monde de la beauté. Voilà. Bye bye. Bon allez, je vous fais un bisou, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.